Bonjour et bienvenue sur www.cnjlet.fr, shoppingtuning.com et TuningLet. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le kit Elistar, les différentes versions, un kit composé d'un mini ballast, d'une fiche de connexion plug and play en fonction de votre ampoule, ici en version H7, d'un système de ventilateur pour le refroidissement. Chaque ampoule fait 25 watts et développe 1800 lumens. Vous avez donc un kit en H7, H4, H8, H9, H10, H11. Chaque kit est équipé des connexions plug and play. Vous avez ici la version en H4 avec la fonction ILO, c'est-à-dire que vous conservez le système d'appel de phare et l'allumage en faible et forte intensité pour le passage en feu de croisement et feu de route. Celle-ci est donc la version pour la conversion donc en H8, H9 et H11, avec toujours une connectique d'origine, le même système de montage, le ventilateur pour le refroidissement, et donc les deux ampoules développant 25 watts pour 1800 lumens d'éclairage, ce qui correspond à une puissance supérieure à une ampoule classique. Vous avez ici la version HB3, HB4 ou H10. Nos kits fonctionnent donc en 12, où vous pouvez sélectionner également le mode 24 volts, donc pour les camions, bateaux également. Nous allons donc vous présenter ici l'allumage en version H4. Vous allez voir donc un allumage blanc 5500K, donc une blancheur pure. L'allumage, feu de croisement et feu de route. Vous conservez ainsi le système d'appel de phare. Ça peut être donc équipé sur toute ampoule H4 d'origine, sans aucune difficulté, pas besoin de passer de relais directement à la batterie. Ça se branche uniquement sur la fiche H4 d'origine. Pareil pour tous les kits. Il se monte directement sur la connectique d'origine de votre véhicule. Il y a juste le petit ballast à loger dans l'optique. Et donc le montage se fait de manière très simple, en quelques minutes. Vous pourrez donc voir dans notre autre vidéo de présentation des kits Elistar, le système donc sur montage en anti-brouillard et feu de croisement sur Audi A4 B8. Et également sur un trafic donc en montage H4 également. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et je vous dis à bientôt sur www.cnjled.fr.